This is the mother of all strip cartoons. I'm showing you a miniaturized version. The original is 70 yards long, has 58 scenes, and it tells the story of the Norman conquest of England. But for me, the great thing about it is that these little cartoons show details of everyday life, which are so important for the historical novelist. C'est assez original, c'est Ken Follett, vous l'aurez reconnu, qui nous explique, qui déplie littéralement l'œuvre d'art qu'est la tapisserie de Bayeux. Là, c'est un dépliant qu'il a avec lui. Et c'est cette tapisserie qui a Milan, dans le fond, qui lui a inspiré son plus récent roman, Le Crépuscule et l'Aube, parce que ça détaille bien la vie quotidienne des gens. Et c'est un roman qui se déroule avant sa très populaire saga Les Piliers de la Terre. On remonte à l'an 1000. Bien, le romancier Ken Follett accumule 36 ouvrages, 176 millions de copies vendues dans le monde. Bien, je lui ai parlé il y a quelques jours. Bonsoir Ken Follett et bienvenue à 24/60. C'est un plaisir de vous parler à l'occasion de la publication de votre plus récent ouvrage, Le Crépuscule et l'Aube. Est-ce que vous pouvez... On vient de voir un court extrait de votre présentation de la tapisserie de Bayeux. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette histoire et qu'est-ce qui vous a inspiré? J'ai voulu faire quelque chose d'inattendu parce que j'ai écrit Les Piliers de la Terre et puis un roman qui prend place 150 ans après ça et puis un troisième 150 ans après ça. Et on a prévu que je vais me répéter, mais comme artiste, il faut ne pas faire ce qu'on attend. Donc, j'ai décidé de faire un préquel. Et en plus, cette époque, environ l'an 1000, c'est un tournant dans l'histoire de l'Europe parce que c'est la fin de l'âge ténébreux et le commencement du Moyen-Âge et la renaissance de la culture européenne. Et j'aime beaucoup les tournants dans un roman. Et c'est extrêmement intéressant que vous soyez inspiré de cette tapisserie de Bayeux pour la vie quotidienne des gens, pour documenter votre recherche. Oui, le tapis est formidable parce que ça vous montre des choses de chaque jour, quotidiennes. Par exemple, on voit les gens qui déjeunent. On peut voir leurs plats. On voit les gens qui construisent les bateaux. On voit les gens avec leurs chiens. Les vêtements, les outils, les choses tout à fait normales. Ces détails sont un peu difficiles à trouver pour l'âge ténébreux, parce que c'était ténébreux. Mm-hmm. Est-ce qu'on a beaucoup évolué depuis ce Moyen Âge en termes de cruauté, d'inhumanité, d'éthique? Est-ce qu'on a, quand on pense à l'époque que l'on vit actuellement? Oui, l'âge ténébreux était très brutal. Et le progrès était un peu lent après. Mais l'âge ténébreux, on était toujours froid. On avait toujours faim. C'était une vie violente. Pas de médecin pour soigner. C'était une vie terrible, mais à mon avis, les gens étaient, même que nous, similaires que nous, leurs soucis sont l'amour, le mariage, les enfants, l'argent, l'emploi, la guerre, la violence. Et si on écrit
une histoire qui s'agit de ces choses fondamentales, le lecteur dans le 21e siècle peut tout à fait comprendre la vie de quelqu'un du 11e siècle. Ouais. Il y en a qui, au fil des pages, me disent y voir un parallèle avec la situation actuelle qui se passe aux États-Unis. Qu'on peut y lire ça, puis voir, on peut y voir et déceler des éléments d'injustice ou d'abus que l'on peut voir aux États-Unis avec le président Trump. Quand on regarde ce que il manquait dans l'11e siècle, on voit comment notre vie sera si nous faisons l'échange qu'on demande dans la Maison Blanche, et même, c'est pas seulement aux États-Unis. Vous voyez en Pologne, par exemple, où le gouvernement veut bien contrôler les juges, en Hongrie, par exemple, évidemment en Russie, nous voyons que ce que nous appelons la règle du loi n'est pas automatique, mais vous avez des présidents, des premiers ministres aujourd'hui qui ne le veulent pas, qui veulent contrôler les juges. Et ça, c'est, à mon avis, c'est très dangereux. Et dans le crépuscule et l'aube, nous voyons des gens qui demandent justice et ils ne le trouvent pas. Vous dites dans vos livres, de toute façon, que cette quête de liberté, de justice, elle est toujours à refaire. C'est rien de réglé. Sans nous dire comment se termine le crépuscule et l'aube, est-ce que la justice finit par triompher? Je ne peux pas dire comment le roman finit. Mais les lecteurs savent qu'en général, je préfère les fins heureux. mais le progrès marche très lentement, la règle du loi. Ça demande des siècles de batailles politiques. Mais nous voyons aujourd'hui comment il est fragile. Vous avez déclaré, quant à Trump, c'est terrible, si les Américains le réélisent, on va aller vers les années sombres. Et votre livre parle quand même de chaos. Avez-vous des craintes? C'est pas le chaos dont j'ai peur. C'est le néo-fascisme. C'est les gouvernements que ne veulent pas démocratie, liberté, justice. C'est les présidents, les premiers ministres autoritariens, nationalistes, populistes. Et malheureusement, les gens qui les aiment, qui disent chaque fois que le président Trump dit quelque chose au sujet des terribles Mexicains, tout ça, il y a des gens qui disent « yeah, yeah ». Enfin, c'est la faute du peuple. Qui écrirait un Ken Follett de l'an 3000? Une question complètement folle. Qui écrirait un Ken Follett de l'an 3000 sur les années 2000, 1000 ans plus tard? mais je ne sais pas, parce que on ne sait pas comment ça va finir. Et un roman a besoin d'une résolution. La vie vraie, des fois, vous n'avez pas de résolution, vous n'avez pas un fin, mais dans un roman, dans la littérature, il faut que ça finisse avec quelque chose qui satisfie. Mm-hmm.
je dois plaire mes lecteurs. Ils me lisent pour plaisir. Ah oui, mais c'est un fait. Vous avez votre réputation. Mais c'est, vous avez vendu près de 175 millions de livres depuis que vous avez laissé le journalisme que vous n'aimiez pas pour devenir écrivain. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend, au fond? On dit que l'histoire ne se répète, mais il y a des échos. Et ce qu'on apprend, c'est comment les changements arrivent et comment des fois le progrès est reversé. Nous faisons le progrès par 2 mètres en avance, un mètre en arrière. Voilà. Ouais. Par exemple, dans les années 60, on a fait des choses merveilleuses. Par exemple, en Angleterre, des lois qui disent que on ne peut pas payer les femmes moins que les hommes pour le même travail. On a dit, on fait une loi que ce n'est pas un crime d'être gay. Beaucoup de lois. Et puis, en 1968, on a tué Martin Luther King, on a tué Bobby Kennedy, et puis nous avons, pour le président, Richard Nixon. Quelle horreur! J'ai dit, bon, c'est terminé, ça. On a perdu tout. Mais ce n'était pas vrai. On n'a pas perdu tout. On a perdu un peu. Mais en Angleterre, aujourd'hui, ce n'est pas un crime d'être gay. On peut avoir un gay mariage. C'est contre la loi de traiter les femmes différentes que les hommes dans l'emploi, dans le chantier. Notre progrès n'était pas annulé. En terminant, c'est la pandémie chez vous comme chez nous. Le monde est paralysé, le monde est inquiet. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il en terminant et comment vous l'avez vécu? Mon jour de travail n'a pas changé. Je m'assieds ici où je suis aujourd'hui. J'écris toute la journée. J'ai des enfants et des petits-enfants qui habitent aux États-Unis et je ne peux pas les voir. C'est peut-être possible d'y aller, mais quand j'arrive, est-ce que je vais donner aux petits-enfants le virus, le COVID-19. Donc, c'est trop dangereux, je ne veux pas le faire, mais ça me manque. Et la quarantaine, vous êtes déjà à écrire votre prochain ouvrage? J'ai commencé un nouveau roman il y a un an, mais je ne veux pas en parler parce que ça va peut-être changer. Très bien. Alors, Ken Follett, en terminant, je vais vous faire un reproche. Le livre est très lourd et les gens, le soir, n'osent pas le déposer pour se reposer un peu. Ils continuent à tourner les pages. J'espère bien. Ouais. C'est parce que c'est ça que je veux. Oh. C'est que il n'y a jamais une page où on peut dire bon moment pour aller dormir, pour terminer jusqu'au fin. Très bien. À la fin. Écoutez, merci beaucoup Ken Follett d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de ce nouveau roman Le Crépuscule et l'Aube chez Robert Laffont en français, et au plaisir de vous reparler. C'est moi. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.